Salut tout le monde, sauf que nous sommes aujourd'hui pour l'épisode 35 de ce Let's Play sur Pokémon Blanc. On s'était arrêté au Mont Forêt, on est toujours en plein milieu avec les bulldozers et tout là, les tractopelles, voilà, c'est les hashtag tractopelles. Je suis sûr qu'il y a un objet ici. Bref, j'ai la chaîne de chercher. Je crois qu'on vient d'en haut à gauche. Donc. On va aller là. Ah merde, c'est vrai qu'on a plus de repousse! Oh non, on va avoir un Pokémon tous les deux pas quoi. Avec des chauves-souris pour remplacer notre Ferroptile dans cette version. Est-ce que tu comptes faire un live sur Pokémon sous Silver? Nope. Ah, bah c'est là. Y a rien là. Bah bonjour. T'as de la force! Mais les dresseurs comme toi à service les Pokémon, c'est pas ça la vraie force. Oh! Mais vous souhaitez libérer les Pokémon, n'est-ce pas? Pourquoi pas, après tout, mais vous utilisez la brutalité pour voler les dresseurs alors. Les Pokémon alors. Ah oui, les dresseurs alors, Pokémon, très bien. Pour voler les Pokémon alors, dresseurs, et la vraie force n'est pas ça. Oh putain, on l'a du renfort. On a trouvé ce qu'on cherchait, allez à la tour maintenant. La tour, Vous avez entendu, monsieur, nous avons récupéré de quoi changer l'ordre des choses. C'est tellement naturel, nous défendons la justice, nous donc, nous avons la force. Tous sous la bannière de notre roi, N. Mon dieu. En fait, on le savait déjà, mais. En tout cas, je vais faire quelque chose avec Pokémon. Après Pokémon Blanc, je sais pas. Ah, mais non. Ces pauvres types, je demande sur quoi ils ont mis la main. Ils sont prêts à devenir plus forts pour rendre la vie à des gens plus compliqués encore, ils sont épuisants. Je vais rester encore un peu ici, j'aimerais réfléchir à quelque chose. Putain, mais il fait que réfléchir, lui, ça sert à rien. Dégage. Oui, on est sorti. Oui. Oh putain, non, pas lui. Oh, Fukeno, comment se porte ton Megavolt? Ton Megavolt t'as l'air de bien t'apprécier. Encore autre. Compléter Pokédex est une tâche fondamentale, mais passer du temps avec ces Pokémon est encore plus important, n'est-il pas? Dans un autre registre, mettrais-tu la tour Dragospire? Si je dis oui, bah je vais dire oui. Tu mérites bien des félicitations. J'espère que tu ne refuseras pas d'écouter les histoires d'un vieux. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait quand même raconter. On dit que cette tour est le plus vieux bâtiment de tout Unis et que ce serait le berceau de Pokémon légendaires. Ils y seraient nés et y dormiraient encore. Cette tour se trouve non loin du chemin en quittant Flocombe. Hélas, je n'en sais guère plus car personne n'a jamais pu y pénétrer. Ma fille a tenté d'en percer les secrets mais sans grand succès, alors maintenant c'est au tour de son vieux père de s'y coller. Au revoir. J'adore parce que je lui dis « Oui, je connais, putain !» Il continue à raconter ce que c'est en fait. Ah, Flocombe avec cette tritonde. Cette tritonde. C'est l'immonde, pardon. Ces escargots, mais ces trucs. Remarque, il y a peut-être des tritons aussi. Je dis ça, mais. Salut Fenris! Que je crois avoir vu le pseudo passer. Tadam. Ouais, donc j'ai des Flocombe, cette fameuse ville où. Où on ne peut pas. J'ai cru que c'était un dresseur pour l'instant, je sais pas pourquoi. Où on ne peut pas accéder. Ici, sauf qu'en série d'hiver. Dans cette petite maison là. Par contre la musique est trop bien. De toute façon les musiques des villes dans Noir et Blanc en général elles sont trop bien. Merde, c'est déjà la sortie de la vie ici. Bon par contre j'avoue que l'émulateur gâche un peu tout, donc galère à suivre. Bon par contre tu vas arrêter spam ton Ameno là. C'est marrant une fois, mais deux fois c'est chiant, trois fois c'est du floude. Voire du spam. Si je t'achète le capture board, tu me dis où il irait là. Alors non. C'est ce qu'on appelle du chantage en fait. Donc non. Oh nice. Oui. Une CT de type combat. Enfin. Bon c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure attaque de type combat qui existe. Mais c'est déjà ça. Attends, on aurait dit que je le savais, quoi. Je suis venu lui parler direct. Genre, je lui dis, elle m'inspire trop confiance. Je suis parti la voir. Casse-brique. Qui peut la prendre? Escroco, évidemment. Et on va lui enlever... Ça fait chier, en fait. Je sais pas laquelle enlever. Mmh.
Je sais pas quoi enlever. Aidez-moi! Alors, je veux pas enlever ma chouille. J'ai pas trop envie d'enlever tunnel, parce que c'est ma seule attaque de type sol. Soit Tombroche, soit Griffombre. Sachant que le Griffombre, c'est bien, et qu'en plus, c'est un taux critique élevé, et que, bah, Tombroche... C'est juste que c'est ma seule attaque de type roche, mais Casse-Bribrique, très le jeu de mots. Tombroche, ça fait que 50. En plus, ça scale pas, vu qu'il est pas de type proche. Ça a pas une énorme précision, et ça fait que réduire la vitesse. Ouais, bon, bah, mon choix est fait, en fait. J'ai enlevé Tombroche. C'est un Strobole. Ouais, non, quand même pas. Oui, j'aime le minerai, y'a rien de plus drôle là-dedans, et pour des minerais rares, je ne compte pas mon argent. Oh, il fait des rimes quand il s'exprime. Et des cailloux assez jolis pour me faire tourner la tête. Non. Je sais plus ce qu'il a... Je sais plus ce qu'il veut, lui. Je m'en rappelle plus. C'est Majaspic qui a encore le truc. Donc on va lui rendre, enfin rendre, on va redonner le multi-expérience à Funestière. Parce que pour l'instant il sert un peu à rien. Fukeno KTP8, il y aura des teams de 2 ou de 3. Bah vous verrez. Alors eux ils servent à rien, ils font que danser comme comme des enfants qu'ils sont. Le Pokémon légendaire a grandi sa sagesse aux héros et déchaîné les flammes contre ceux qui se dressaient sur leur chemin. Les gens frappés de stupeur et de respect pour ce fier héros et son Pokémon se sont unis et ont fondé un pays unis. Enfin, c'est la phrase la plus longue du monde, quoi. C'est ce que dit la légende. Ouais, c'est ça. Non, mais arrête de spam ta question. Je viens de te répondre en plus. Si tu aimes Adoptrix Toxis et Reflet d'Acide, je te conseillerais de Nullbuck et les aventuriers du Survivor. Je connais aussi. Disons que c'est 4 des 6 seules séries saga audio MP3 que j'écoute. Que j'ai écouté plutôt. Ou que j'écoute d'ailleurs, parce que Reflet d'Acide n'est pas fini. Mais... Et en fait, au tout début, bah j'ai connu Donjon de Nullbuck en premier, un peu comme tout le monde, je pense. Et je kiffais, tout ça, tout ça. Ensuite, bah via POC, j'ai découvert Knarf avec, les aventuriers du Survivor. Que j'ai préféré que Nullbuck. Et un beau jour, un très très beau jour. J'ai découvert. Qu'est-ce qu'il me veut lui? J'ai découvert Reflet d'Acide et Adoptrix Toxis. Et comment dire? Ah, un autre multi-expérience? Ah bon? Alors ça, je me rappelais pas du tout par contre. Mais c'est trop bien en fait. Non, je m'en fous des massages. Ouais, donc un jour, j'ai découvert Reflet d'Acide et Adoptrix Toxis et je me suis rendu compte. Bah que Donjon de Nullbuck, c'était bien de la merde, en fait. Enfin, je suis désolé, mais Reflet d'Acide, c'est tellement 1 million de fois supérieur à Donjon de Nullbuck, quoi. Juste dans l'écriture, quoi. Rien que dans l'écriture. Donjon de Nullbuck, c'est juste de la merde à côté, quoi. Et depuis que je connais Reflet d'Acide, en fait, j'ai plus jamais réécouté Donjon de Nullbuck. C'est con à dire, hein, mais... Enfin, écouter Donjon de Nullbuck après avoir écouté une fois dans sa vie Reflet d'Acide, c'est juste... Pas possible en fait. Y a qu'une seule maison dans cette ville de merde. Bon, il y a qu'une seule maison, à part celle où on peut accéder que quand c'est l'hiver. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre couillon acteur là, dans cette ville. Et la tour d'Arbrospierre qui est là. Bijour! Plus loin se dresse la tour d'Arbrospierre, elle s'élève ici depuis les temps les plus anciens que la fondation du Nice. Au sommet, le Pokémon Dragon de la légende attend la venue d'une personne en quête de réalité. Très bien. Oui, là aussi, on peut y accéder que quand il neige. Ouais, mais Donjon, c'est la nostalgie. Alors, oui et non. Parce que la nostalgie, ça va, quoi. Mais... C'est vrai que Ado et Reflet d'Acide, c'est mieux, à part le titre d'Ado. Non, Adoprix Toxis, c'est trop marrant comme titre. Ado Preston, Tennyson. Ah non, mais je suis pas allé dans cette maison-là, en fait. Cette musique, j'adore. Donjon de Nullbuck était une bande dessinée avant d'être une saga audio, il me semble. Oula, non, pas du tout. C'était une saga audio bien avant d'être une BD. Bien avant, même. Par ici, par ici.
C'est super, c'est délire, c'est l'heure des quiz folie. Oh putain, je m'en rappelle, ça y est. Et notre tiers l'honneur du jour est vous. On l'applaudit bien fort. Tapigé. Ah oui, putain, j'avais oublié leur nom aussi, Tapigé. Et elle s'appelle comment? Dakodak. Oh putain. Question. Oh mon dieu. Quel est le Pokémon le plus crampon? Et elle s'appelle Cetuldi. Très bien. Oh que c'est difficile, notre challenger va-t-il y arriver? Un indice, un indice! Le public a l'air d'exiger un coup de main. Bon, je donne un indice. Indice, il est vraiment tout petit. Voilà un bien bel indice. Avez-vous une réponse? Quel est le Pokémon le plus crampon? Quoi? C'est ça la question? Je sais pas. Le plus crampon. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par crampon? Putain, ils ont fait un vrai quiz dans Pokémon. Un vrai quiz compliqué, j'y crois pas. Statistique! C'est vraiment statistique? Boule de swag. Bon, on va tenter statistique. Quoi? Bah, c'est bon là, non? Ah oui, d'accord, il fallait que je fasse ça. Ok. Oh mon dieu! Et c'est une bonne réponse! Génial, super, extra! Oh mon dieu, quelle famille, quoi. Bien joué, mais quel génie! Mais putain, mais quel génie! T'as entendu ça, Brubru, mais quel génie! Parce que j'aimerais bien l'écraser. Brubru, ta gueule. Félicitations, vous avez gagné une belle récompense. Oh mon dieu! C'est une blague. Ouais, c'est ça. Allez, salut, hein. Putain, quoi, un antidote. Please. Bon. Est-ce qu'on se fait l'arène maintenant? Non, on va pas se faire l'arène maintenant, mais on va commencer l'arène. Je me souviens plus comment elle est à l'intérieur. Ah oui, ça va, elle est facile celle-là. Bonjour. Pendant que les pièges de l'arène se font tourner la tête, j'en profite pour me dresser devant toi. Ouais. J'ai dit ça tellement au pif. Non mais, no joke, au moment où il a dit Pokémon crampon, qu'il a dit tout petit, j'ai pensé direct à statistique. Juste à cause de l'indice en fait. Mais je sais pas pourquoi. J'aurais mis statistique de toute façon. Bon, il va arrêter de le spam son Ameno là. Pourquoi j'ai. Hey, j'ai le message, c'est la pause, on revient tout de suite qui vient d'apparaître. What the hell? Genre, c'est vraiment buggy en fait. Je crois que le chat depuis la console. Bon, allez, Funessir, you can do it. Ou pas, mais. On va dire qu'on va faire comme si, quoi. Au pire, on a Escroco, vu que c'est que des types glace ici. Parce que Escroco, maintenant, il a casse-brique. Et ouais. Bon, tunnel, c'est un peu de la merde, mais il a casse-brique. Ah bon? Il m'a def en fait. Bon, je pense que Funessir il sert vraiment à rien avant d'avoir évolué quoi. Je sais même pas si on a une pierre nuit en plus. Bon, vous vous calmez avec votre spam là? Bon, allez, je vais les ban parce que ça me saoule. Ça m'a saoulé, c'est bon. Voilà. Ou pas d'ailleurs. Ce que j'ai fait. Ah d'accord, très bien. Voilà. Est-ce que je le one shot avec case break? Je le one shot pas. On va faire un petit. Bah, un autre case break en fait.
Tu viens sur iPixel après? Non. Après, je pense que. En fait. Enfin, je vous en parlerai après. Peut-être que je vais faire un live de LOL ce soir, je sais pas. Enfin, ça dépend de Pierre et Shorty s'ils sont là ou pas en fait. Parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de jouer ensemble. Mais on s'amuse à faire quelque chose de bien précis en ce moment sur League of Legends. Et si je fais un live ce soir, vous verrez de quoi je parle. Mais bref, vous verrez. Et c'est très le one shot. Exagèle. Merde, mais du coup, je sais même pas qui a envoyé en fait. Défaisant, il me one shot. Majaspic, il me le one shot. Megavolt, il me le one shot. C'est la merde. Fais évoluer ton Bratrakné. Oui, c'est vrai. Ah non, j'ai des attaques type sol avec Bratrakné. J'aurais dû envoyer Bratrakné en fait. Là, vous savez quoi? Bon, on va envoyer Bratrakné. Change éclair, c'est parti. Pourquoi t'as choisi Pokémon blanc et pas noir? Parce que je préfère Zekrom. C'est la seule et unique raison. En général, il n'y a pas vraiment d'autres raisons quand on fait le choix entre telle ou telle version. Enfin, moi, je fais pas le choix perso parce que j'ai toutes les versions de Pokémon. Mais si j'ai décidé de faire un let's play blanc plutôt que noir, c'est juste pour Zekrom en fait. Bon, j'avais raison, je me suis fait def. Donc c'est la merde en fait. Exagère, il exagère. Putain, ils ont fait la blague tous les trois en même temps, quoi. Grosse, grosse blague. C'est parce qu'il est raciste. Ah oui. J'ai cru que tu parlais d'Exagel, je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, je suis raciste, ouais. Exactement. Je suis raciste des Pokémon noirs. En plus, non, parce que c'est Zekrom qui est noir. Donc je sais même pas ce que tu racontes. Ou alors je suis raciste des blancs, c'est ça? Bah non, parce que j'ai choisi Pokémon blanc. Eh ouais! Qu'est-ce que tu dis de ça, maintenant? Je pense que c'est la merde. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de Pokémon de type feu, voilà. On a juste un funéraire de merde. Et les Chinois, on en parle. Ah, je l'ai def! Je regardais le chat, mais j'ai pas vu. En fait, je l'ai def. Nice. Alors, t'es deg ou pas? Noob. Bon, on va retourner en bas. Merde, comment on retourne en bas? On est obligé de passer par là, apparemment. Mais je veux pas aller par là, moi. Ah, voilà. Point d'arcane. Il y en a pas, malheureusement. Sinon, évidemment, je l'aurais pris. Quel animal le moins raciste au monde? C'est le panda! Mais bon, cette blague est vieille comme le monde. Bon bah on va continuer un petit peu dans l'arène. Hein. On ira à la tour Drago Spire plus tard. Bonjour! Pourquoi Pokémon blanc s'appelle blanc si le légendaire c'est Zekrom est noir et Pokémon noir si le légendaire Reshiram est blanc? Demande à Game Freak. Je sais pas moi. À quand Pokémon version jaune? LOL! Jamais. Bon, encore un exagèle. On va encore se faire def. Et si je faisais feu follet, lui rebondit feu. Non, rebondit feu quand même. Ah, on aura peut-être le temps de faire un petit feu follet du coup. Mais rebondit feu, ça fait tellement pas de dégâts, c'est chiant.
Voilà, ça fait zéro quoi. Ça avait pas l'air très efficace. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah bah, continue à faire partie d'armure, c'est bien. Ça a existé Pokémon version jaune. Oui, mais j'ai dit que je le ferais jamais. Je le ferais jamais en let's play en tout cas. Game Freak aime le fric. Ok, je sors. Alors cette blague. Enfin, c'est même plus une blague quoi, tellement tout le monde écrit Game Freak avec FRICK à la fin. FRIC, pardon. Pourquoi j'ai mis un K? Eh, je vais réussir à le battre en fait. Parce qu'il fait que des murs lumière et des acides d'armure. Putain, je l'ai battu, je suis trop fort. GG Funessir! T'es trop fort. Est-ce que je vais faire Pokémon Perle? Non, parce que j'ai fait Platine. Wouhou! Elle est trop bien cette arène. Un peu dangereuse, mais bien. Regardez le vide qui est en dessous, quoi. Imaginez, il tombe le dresseur. Bah, il est mort. Et bah, voilà, il est mort. Encore un Exagène? Ah non, un Polarum. Est-ce que tu feras un let's play sur Pokémon version Alpha ou Omega? Oui, j'ai déjà dit 36 fois à peu près, je pense, depuis que l'annonce a été faite. T'es meilleur en allemand ou en anglais? Oula! J'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Je suis même pas sûr de savoir dire trois mots en allemand. Donc, largement en anglais. Fin de l'aventure s'il meurt. Exactement. Polarum, il... Quoi? Ah, parce qu'il a fait Ténacité, je me disais aussi. Polarum, lui, il est mignon. Comment ça, lui, il est mignon? Eh, c'est dit qu'il est mignon aussi, ok? Et en plus, il est mignon, mais il est dégueulasse, quoi. Enfin, regardez tout ce qui se renifle à chaque fois, là. Dégueulasse. Ich bin Hitler, ok, très bien. Visiblement, je suis pas le seul à pas savoir beaucoup de mots en allemand. Ouais, non, moi j'ai pas fait allemand, ni au collège ni au lycée. J'ai fait espagnol LV2 et LV4 ensuite. Comment on y va là? Bah, de toute façon, ça va être l'heure de la pause en fait, je viens de réaliser, mais. De la paume, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il faut que je laisse paume maintenant. Donc du coup, on se retrouve dans 4 petites minutes bah, pour le dernier épisode de ce live. Je pense qu'on aura le temps de finir l'arène dans le prochain épisode. Donc on se retrouve dans 4 petites minutes. A tout de suite les gens.